Oui, à l'instant T, c'est vrai que c'est une victoire qui fait du bien. On en avait fortement besoin parce que, comme tout le monde le voit, au classement, on est dans la zone rouge. On était, je ne sais pas si on en sort ce soir, mais en tout cas, c'était important de gagner à domicile, de rester invaincu chez nous. Et voilà, maintenant, il n'y a pas d'euphorie parce qu'on sait très bien tout le travail qu'il nous reste à faire pour pouvoir être plus régulier à l'extérieur et aller chercher quelques points. À l'extérieur, c'est ce qui nous manque actuellement. Donc voilà, on est très content, soulagé d'avoir gagné, mais à la fois, on est conscient du travail qu'il nous reste à faire. C'est exactement ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est conscient de la marge de progression. C'est un match que normalement, on aurait pu et peut-être dû tuer plus tôt. Et malheureusement, voilà, ils reviennent. Après, c'est une très belle équipe qui joue bien au rugby, sincèrement. C'est une belle équipe et ils n'ont rien volé ce soir. Donc voilà, nous on a eu le caractère pour gagner ce match parce que la semaine n'a pas été facile. Et c'est des matchs qu'il faut gagner et qui sont difficiles à gagner avec ce temps et durant cette période. Donc voilà, petit à petit on construit, on grandit, mais encore énormément de boulot. Ah non, mais non, non. Non, ça ne nous intéresse pas et nous on était focus sur ce match-là. Il y a que quelques. Enfin, je sais pas combien il y a de journées, je crois qu'on est à 9e, non? Donc on n'a pas commencé à parler de maintien. Voilà, on a perdu ces 6 points. La réalité, c'est qu'on est dans la zone rouge, on en est consciente, hein, mais par contre, on va pas regarder en bas. Et on va continuer à travailler, gagner des matchs et aller chercher des points à l'extérieur. Mais non, non, c'est pas notre état d'esprit de regarder en bas. Oui, bien sûr qu'il y avait de la pression, mais c'est aussi ça qui nous anime, c'est aussi ces matchs-là qu'on a envie de jouer. Et je pense qu'on a maintenant assez d'expérience dans cette équipe pour gérer ces matchs-là. Voilà, c'est vrai que c'était pas un match facile. Comme je l'ai dit, c'était une très belle équipe en face. Un match qu'on peut dire un peu piège avec ce temps. Et voilà, donc non, je trouve qu'on a fait une bonne première mi-temps, on a plutôt bien géré nos temps faibles. Et voilà, on marque directement en début de deuxième période. Et je pense qu'à ce moment-là, on aurait peut-être pu enfoncer un peu le clou. Mais voilà, c'est tout ce qui nous reste à travailler. Et tant mieux qu'on ait encore cette marge de progression. Oui, bien sûr. Après, c'est des faits de jeu. Voilà, moi j'étais un peu loin, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais maintenant, dans le rugby actuel, on ne peut pas mettre de coups. Donc c'est une échauffourée. Voilà, ça sépare. Je ne sais pas réellement ce qui s'est passé, mais oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire preuve de caractère et que cette équipe-là, elle fera preuve de caractère jusqu'au bout. Alors, je sais pas si on gagnera tous nos matchs à domicile, mais en tout cas, on essaiera d'être le plus conquérant possible. Et on veut que ce soit difficile de gagner ici. Donc forcément, ça passe par du caractère et il faudra un peu plus. Et bien sûr, après. Enfin, on est conscient de ce qui nous reste à travailler, on est conscient qu'il nous manque ce déclic à l'extérieur, qu'il faut qu'on soit beaucoup plus. Voilà, qu'on fasse preuve de caractère, qu'on aille chercher des points à l'extérieur, ça on le sait. Et voilà, ça passe par valider des victoires à domicile, et maintenant on va pouvoir construire, se pencher sur Angoulême pour aller chercher des points. Voilà. Merci, Julien. Merci. Ouais.